J'ai beaucoup hésité à me l'acheter, ce comics étant un fan inconditionnel de la Harley Quinn de Paul Dini et Bruce Timm, et particulièrement de ses origines dans Mad Love. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille mon point comics sur le Mad Love, n'hésitez pas, c'était le premier, je vous le mettrai en description. Je dois vous le dire, j'ai cédé à la tentation, et dès les premières pages de ce premier tome, c'est le festival des dessinateurs. Attention, ça va aller vite. Becky Cloonan, Tony Salvatore Daniel, Stéphane Roux, Dan Panosian, Walter Simonson, Jim Lee, Bruce Timm, lui-même quand même, Charlie Adler, Adam Hughes, Art Balthazar, Trad Moore, Dave Johnson, Jeremy Roberts, mais j'ai pas l'image, désolé, Sam Keith, Darwin Cook, et pour finir avec Chad Hardin. Et tous sont un talent indéniable. Pour les 99% du comic, c'est le dernier qui s'y colle, et c'est magnifique, oui, Chad Hardin. Cependant, un petit big up supplémentaire sur la page d'Adam Hughes, qui fait des merveilles. Passons à l'histoire. Bien loin du Joker, Harley essaye de refaire sa vie quand un ancien patient à elle, venant de décéder, lui lègue tout un immeuble à gérer. Hormis collecter les loyers, elle va devoir cumuler les emplois plus ou moins légaux et esquiver les tueurs venus récupérer un contrat sur sa tête pour arriver à s'en sortir. Accompagnée d'un castor brûlé et de beaucoup d'animaux différents, dont leur déjection va être gérée à la cacatapulte, elle va sans arrêt rechercher l'aventure. La belle Harley est pétillante à souhait et ce premier tome fourmille de petites références qui font plaisir à voir, même si on est bien loin du Mad Love. Pour ma part, le parti pris par les auteurs Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, appuyé sur les traits de Chad Hardin, est réussi. Cela nous fait découvrir une Harley inédite, folle à souhait dans ce premier tome qui, comme son titre l'indique, est complètement marteau. On aura la chance de retrouver Poison Ivy et j'espère que les prochains tomes réuniront les Gotham City Sirens, mais j'avoue que j'ai mis du temps à me persuader de les lire, donc je verrai bien. En définitive, c'est un très bon comics qui m'aura fait rire à certains moments. Voilà pour un de ces comic books qui a fait déjà partie de ma collection. Et à bientôt pour un nouveau comics.